Bah, c'est une très belle victoire pour nous. Je dis aux joueurs même que je suis fier d'eux. Ça a été un match difficile contre la très belle équipe de Ghana. Vous savez, avant cette rencontre, j'avais beaucoup de difficultés. Il me manquait 4-5 joueurs, surtout sur le plan offensif. J'étais obligé un petit peu de composer l'équipe, certains garçons qui sont première fois à jouer aussi. On a bien analysé l'équipe adverse, il en a préparé notre jeu. Je savais au départ qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions. Je pensais, je dis franchement, honnêtement, que 1-0 pour nous avec un coup de pied arrêté, malheureusement, heureusement, on a marqué autrement et je le félicite vraiment et je le répétais, vraiment grand fierté quand vous avez cette équipe avec autant de générosité, combativité. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Vous savez, moi je travaille avec les joueurs, je sais. Certains joueurs sont moins performants parce que certains jouent plus, certains moins. Et vous savez, dans une compétition comme ça, rythme compétition est très très important. J'ai vu que Samy, il est très très efficace dans la récupération. Après, on savait, avec deux frères Ayou, il y avait beaucoup de longs ballons vers la basse, première ligne devant, pour gagner ses duels, pour remiser et après peut-être proposer quelque chose d'intéressant. Il a fait un match très très solide, magnifique. Contre le match qu'il a fait. Il a déjà joué déjà de cette poste, mais à l'équipe nationale, c'est la première fois.